Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est un peu un jour spécial pour ceux qui, comme moi, comme nous, prônons l'indépendance financière, l'investissement, la création de business, l'entrepreneuriat, l'indépendance. L'indépendance financière, c'est vraiment particulier. On est le 3 janvier et si vous allez dans le métro parisien, vous allez voir ma tête, une photo de moi placardée sur une station sur deux, donc c'est 200 stations à Paris, d'une photo que j'ai prise juste ici, il y a quelques semaines de cela. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer le plus grand nombre de personnes possible, notamment dans le métro parisien, qui est selon moi, on va dire, la Mecque. Le cœur de la rat race, le métro, boulot, dodo. C'est ce que l'on veut nous inculquer depuis qu'on est tout petit, quand on va à l'école, quand on se marie, quand on est au travail. Donc voilà, c'est une photo que j'ai prise ici, juste là. Si vous êtes dans le métro, vous allez la voir. Je suis assis là sur une de ces chaises là-bas et je bois un café et je suis en train de lire un livre et je médite, je profite, je suis indépendant financièrement. Donc l'idée, c'est vraiment pas de se la raconter, l'idée, c'est d'inspirer un plus grand nombre de personnes possibles. Et je pense que ça n'a pas encore été fait en France. Ça n'a pas été fait en France, encore une fois, par notre communauté à nous, de gens qui prônons l'indépendance financière. Personne n'a jamais mis d'affiche à ce sujet dans le métro. À vrai dire, 99% des Français, des gens ne savent pas ce qu'est l'indépendance financière. Donc là, c'est vraiment du mass market, c'est en train d'être déployé en ce moment même. Donc c'est pas comme Facebook, hein. La pub sur Facebook ou AdWords, c'est pas hop, c'est déployé, non. Il y a 200 affiches de 12 mètres carrés à déployer, à afficher, à coller. Donc les mecs bossent, merci à vous, ceux qui mettent les affiches. Donc ça va prendre du temps, ça prend jusqu'à 24 heures. Mais donc voilà, pour l'idée, j'ai vraiment décidé d'organiser un petit jeu concours. On va faire remporter à deux personnes, deux d'entre vous. Donc il faut être à Paris pour pouvoir participer. Donc deux personnes vont être tirées au sort. Donc le concours se passe de aujourd'hui, on est le 3 janvier, jusqu'au 10 janvier soir à minuit. Donc vous avez une semaine. Comment participer? C'est simple. Vous allez dans une station de métro, donc sur le réseau RATP. Ça peut commencer à Nanterre ou à La Défense par exemple, voire même Vincennes je crois. Partout où il y a le métro. Vous allez devant une affiche QLRR. Vous n'allez pas pouvoir les rater. 12 mètres carrés, il y en a partout sur les quais. Vous vous mettez devant, salut Alec, j'espère que tu vas bien, meilleure vue à toi aussi, mon pote. Vous mettez devant l'affiche, QLR, vous tendez le bras, vous souriez, vous prenez une photo, un selfie. Cette photo, vous la publiez sur Instagram. Il faut Instagram pour participer à ce jeu concours. Et vous mettez le hashtag QLRR Métro, QLRR Métro. C'est expliqué, c'est écrit ci-dessous en description. Comme ça, moi et mon équipe, on peut vous retrouver, votre photo. On la récupère, on la met sur ma page, on vous tag et vous rentrez en lice. Mais avant ça, vous devez mettre le hashtag QLRR Métro, indiquer votre prénom, pas votre nom de famille, juste votre prénom et dans quelle station de métro vous vous trouvez. Et surtout, pour vous, qu'est-ce que signifie quitter la rat race? C'est quoi? Est-ce que ça aura plus de temps? Est-ce que c'est voyager avec la famille? Est-ce que c'est faire des cadeaux à vos proches? Est-ce que c'est vivre de ses passions? Est-ce que c'est pouvoir déménager et vivre où on veut, pouvoir travailler quand on veut, faire ce qu'on aime? Donc voilà, vous devez vraiment dire pour vous, c'est quoi quitter la rat race? 1. 2. Votre prénom. 3. La station de métro où vous êtes. Et bien sûr, le hashtag QLRR Métro. Comme ça, on peut vous retrouver, prendre la photo et vous taguer sur ma page. Donc voilà, on va tirer au sort deux participants et participantes. Et le cadeau, c'est simple, c'est une session de mastermind privée avec moi de 2 jours, 3 nuits et 2 jours, qui va se dérouler à la montagne, c'est début mars. Donc voilà, là on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat, d'immobilier. Et on continue à apprendre en fait. Il y aura que des gens qui sont indépendants financièrement, qui ont quitté la rat race ou qui vont très prochainement la quitter. Il y aura quelques millionnaires. Et donc voilà, l'idée, on m'a dit, ouais, mais du coup, si moi j'ai pas Instagram, comment je fais pour participer? Honnêtement, si tu n'as pas Instagram, tu n'as pas ta place pour venir au mastermind. C'est tout. Mon père a Instagram. Mon père de Guadeloupe a Instagram.
Il est né en 54. Il a Instagram. Tu peux pas ne pas avoir Instagram en 2019. Si tu n'as pas Instagram, cool. Mais tu n'as pas ta place au mastermind. Désolé, je suis un petit peu rude. Mais le mastermind, voilà, on est des gens qui s'adaptent. On s'adapte aux nouveautés, au marché, aux tendances. Et aujourd'hui, en 2019, ça se passe sur Instagram. Donc, tu ne peux pas ne pas avoir Instagram. Donc, si tu n'as pas Instagram, tu ne pourras pas participer au concours. Mais de toute façon, tu n'as pas ta place non plus au mastermind. Tu risques d'être un petit peu perdu. On va te parler d'immobilier, de trucs, tu ne vas pas comprendre le délire. Donc, voilà, effectivement, il faut Instagram pour participer. Effectivement, si tu n'es pas à Paris, tu sais quoi, il faut aller à Paris. Il faut aller à Paris. Et parce qu'encore une fois, il y a très peu de gens, je pense, qui vont passer à l'action. Et il y a quand même deux personnes qui vont être tirées au sort. J'ai deux concours actuellement en jeu. J'ai un autre concours où il s'agit de voter pour les 20 meilleurs entrepreneurs qui étaient la rat race de 2018. Et là, il y a des gens de partout en France. Effectivement, le concours métro, il est réservé à ceux qui peuvent se rendre dans le métro, que j'ai pris pendant assez longtemps. Yes, Marilyn, on pourra en reparler de ça. Mais là, c'est du marketing à l'ancienne. Mais moi, je suis très transparent. J'ai lâché un bon billet à la RATP pour ça. Mais j'ai été aussi très malin parce que j'ai réussi à payer 4 fois moins cher que ce que d'autres vont payer. Et ça, je vous en parlerai dans les semaines à venir. Donc, quittez la rat race, startup internet, accélérateur. On parlera de tout ça. Patrice, il y a à peu près 200 affiches. Non, il y a des affiches dans 200 stations. Donc, je sais pas, peut-être, je sais pas, 2000 affiches, je sais pas. Je sais que ça va être visible entre 4 et 5 millions de personnes. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des choses nouvelles, de tenter des choses nouvelles, d'aller là où on n'a jamais été. On va explorer, on teste, on teste, on teste, on se ramasse, on teste, on se ramasse, on se prend des coups, on se relève et on regarde ce qui marche. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, nous, on prône l'indépendance financière. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment faire un concours. Les gens qui vont voir les affiches dans le métro, qui ne connaissent pas quitter la rat race ou l'indépendance financière, ils ne pourront pas participer au concours. Le concours, c'est uniquement pour ma communauté, les gens qui me suivent comme vous actuellement. Les gens qui vont voir l'affiche, ok, c'est cool, ils vont pas comprendre c'est quoi ce truc, bon voilà. Mais le jeu concours que j'organise là, c'est uniquement pour ma communauté. Vous savez ce qu'est quitter la rat race, vous savez ce qu'est l'indépendance financière, vous croyez en ces revenus alternatifs, vous savez qu'on peut investir, créer des business, passer à l'étape suivante, même si on part de zéro, progresser, surtout en 2019, encore plus que jamais. Donc voilà, le concours est réservé uniquement à la communauté. Donc voilà, vous aurez en description toutes les informations pour pouvoir participer. J'espère pouvoir vous tirer au sort et que vous ferez partie des deux gagnants. Et on se verra à la montagne dans un cadre un petit peu différent d'ici. Mais moi, j'adore la montagne aussi, j'adore le bon froid. On va faire raclette, fondue, on va aller faire un petit peu de chien de traîneau, un petit peu de raquette, un petit peu de moto des neiges. Et on va pouvoir surtout bien réseauter, bien apprendre et bien brainstormer et faire travailler le cerveau commun, parce qu'encore une fois, deux cerveaux valent mieux qu'un seul. Le faire aiguise le faire. Merci à vous les amis. Encore une fois, tout en dessous, vous aurez toutes les informations pour participer au concours.